Bonjour, ici Commander Fran. Voici une vidéo pour laquelle je ne sais pas si vous êtes prêts, mais que vous ne vous attendiez pas à trouver en vous levant ce matin. Cette vidéo a de nombreux mois de recherche, de visionnage, de recoupe, de résumé et d'échange, et qui a pour but de vous informer dans les grandes lignes sur ce que vous aurez raté du développement de Star Citizen pendant les 8 premières années. C'est-à-dire de la création de Robert Space Industries, le studio Cloud Imperium Games et Star Citizen jusque fin 2019. Donc si vous n'avez que 5 minutes devant vous, reportez le visionnage de cette vidéo à plus tard. Que vous ne connaissiez pas encore Star Citizen, que vous n'ayez pas encore pris votre package de départ, ou que vous soyez citoyen de la première heure, j'espère qu'elle vous plaira, mais je doute vraiment qu'elle ne vous apprenne rien, car cette vidéo contient une quantité de fun facts et d'infos croustillantes tout du long. Alors, je dis donc bien les grandes lignes, car malgré tout, rentrer dans les détails et tout vous montrer pourrait engendrer de nombreuses vidéos de plusieurs heures, et j'ai les infos pour, mais ce n'est pas le but ici. Donc tenons-nous-en aux points importants, et il y a tout de même de la matière, alors ne traînons pas et commençons tout de suite. D'abord, petit message pour vous qui n'êtes pas encore sur Star Citizen, qui aurez appris une foule d'infos sur la genèse de Star Citizen jusqu'à nos jours, et que la vidéo aura donné envie de vous y mettre. Pensez à noter ce code qui s'affiche à l'écran, à votre inscription, afin d'obtenir 5000 crédits du jeu, un petit coup de pouce bien utile au démarrage. Avant, il y avait le néant, le vide, le silence absolu. Bon, j'exagère un peu, mais il faut bien le reconnaître, il n'y avait pas grand chose, ou en tout cas rien de mesurable à Star Citizen que l'on connaît aujourd'hui, ou du moins du rêve qui nous était vendu et présenté à l'époque. Et si ce n'était pas le cas, Star Citizen ne susciterait pas tant d'effervescence à travers le globe depuis 8 ans environ. Nous nous sommes bien essayés à des jeux qui traitaient de l'espace. Sans en citer, sinon on n'a pas terminé. Mais nous, joueurs avides de grands espaces, de liberté et d'autonomie, et surtout soif de découvrir des mondes et des technologies que nous ne pourrons jamais découvrir de notre vivant dans le monde réel, nous a toujours enthousiasmés et même fascinés. Et ça, Star Citizen, dès fin 2011, et encore plus les années qui ont suivi, nous suggérait et puis en 2012 nous promettait cet univers ouvert aux multiples facettes et d'une surface de jeu encore inégalée. Alors comment ne pas se mettre à rêver et ne pas adhérer au projet de l'homme qui était en mesure de rendre cela possible ? Star Citizen est né de l'idée un peu folle d'un créateur de génie de jeux vidéo, Chris Roberts, qui a déjà créé des univers spatiaux dans le passé et qui désirait lancer un projet 10 ans après son dernier jeu vidéo. Le principal dont vous devez vous souvenir ou connaître assurément, même si vous n'avez pas suivi Chris Roberts, c'est Wing Commander, sorti en 1990 par Origin Systems. Mais il avait également créé par la suite des jeux comme Privateer, Star Lancer et Freelancer. Chris Roberts a aussi travaillé dans le cinéma comme producteur, avec plutôt de réussite je trouve, avec le film Lord of War, The Punisher entre autres, mais aussi à la réalisation du film Wing Commander avec pas mal d'acteurs. Bref, tout cela pour vous dire que c'est ce cheminement, cette histoire, cette expérience de Chris Roberts, accompagné de quelques-uns de ses amis, complices et collaborateurs de toujours, qui a mené à ce nouveau projet. Proposer un univers vaste et libre sous forme de simulation spatiale multijoueur. Mais comment le financer, quand on est seul ou même une poignée de personnes ? Et là, coup de génie, car dès le début, il ne voulait pas avoir de partenariat d'édition, a besoin d'indépendance et de ne pas devoir rendre des comptes. Et son projet, il le financerait en privé d'abord, et ensuite grâce au crowdfunding, système de financement qui depuis le début des années 2010, connaît un essor énorme auprès des internautes pour toutes sortes de projets de création musicale, d'objets technologiques et objets fous en tout genre. Et donc un coup de pouce pour toutes les startups qui peinent à trouver des investisseurs. Alors Chris Roberts s'est dit, pourquoi pas ? J'ai déjà un bon bagage de développeurs, de directeurs de projets et artistiques derrière moi, mais mon projet est gros, tellement gros et a besoin de tellement de ressources que je ne pourrais pas trouver des investisseurs, ou plutôt si, mais pas sans perdre mon autonomie. Le crowdfunding arrivait donc comme le Graal. La solution parfaite pour le laisser libre cours à son imagination et faire surtout les choses bien en prenant le temps. Car ce que Chris Roberts imaginait déjà à l'époque, personne ne pouvait le concevoir réellement, et encore moins avec les technologies jusqu'ici. Car les prétentions de ce jeu, ou plutôt de Chris Roberts, étaient surtout de faire cette simulation spatiale la plus ambitieuse pour PC de tous les temps. Et il avait une certaine aversion pour les consoles, en tout cas surtout pour les gens qui ont dit au début des années 2010 que le gaming sur PC était mort. Chris Roberts mit dans un premier temps, en novembre 2011, l'idée d'un nouveau jeu sur le site web de sa société, et qui s'appellerait Star Citizen. On était encore nulle part, mais c'était le début d'une idée qui allait germer, mais Cloud Imperium Games n'existait pas encore. Le studio Cloud Imperium fut formé fin 2011, dans le but de se capitaliser d'abord, et ensuite la société de développement Cloud Imperium Games, nommée aussi CIG, ainsi que sa filiale Robert Space Industries, ont officiellement été créés en avril 2012.
et les mois de 2012 ont été consacrés à préparer le terrain, s'installer et créer un visuel, des vidéos et une base à montrer aux joueurs potentiels avant de lancer cette campagne de financement. Mais avant même de lancer le Kickstarter, Chris avait déjà levé 4 millions de dollars via des investisseurs providentiels, en campagne directe sur son site pour se lancer et se capitaliser, ainsi que des fonds propres et qui allaient bien aider au démarrage. Et donc ce crowdfunding était là pour compléter au départ avec un premier objectif de 500 000 dollars qui fut atteint très rapidement, un trailer énigmatique de 15 secondes tout d'abord à disposition des médias et sites web pour annoncer une info qui serait divulguée en octobre 2012. C'était bientôt le lancement officiel de la campagne. Il déclarait que désormais la technologie était suffisamment performante pour répondre à ses désirs créatifs et technologiques, qu'il voulait revenir aux racines avec Wing Commander, et que si on avait un PC très puissant, son projet le mettrait en valeur. Et le projet, puis ensuite cette campagne liée à son projet, fut bien annoncé le 10 octobre 2012, d'abord à la Games Developer Conference Online à Austin au Texas, donc la GDC 2012, et une série de vidéos attrayantes, très bien travaillées à l'appui, et qui lançaient le joueur dans un monde vaste avec le moteur CryEngine 3. GameSpot diffusait l'événement en direct. Fin octobre 2012, peu de temps après l'annonce, plus de 34 000 backers en plus, rien que sur la campagne de quelques jours. Backers, c'est comme cela que l'on appelle les joueurs qui participent à ce financement participatif. Et donc, ces backers avaient répondu présent avec un montant déjà de 2 millions de dollars sur cette courte campagne, en plus des fonds déjà levés sur le site RSI en campagne directe. Alors fin octobre 2012, après l'annonce sur Star Citizen, il n'y avait encore réellement que 7 membres du personnel CIG, plus de 60 000 citoyens déjà, 6,000 clicks out. Alpha Wing, I've been in here, hit Kickstarter. Il faut dire qu'à l'époque, l'équipe était réduite à sa plus simple expression, dont fatalement Chris Roberts, mais déjà avec un Ben Lensnick, Eric Peterson et Sandy Gardiner, entre autres. Fin novembre 2012, il y eut un live stream de 24 heures pour la clôture de la campagne originale. Le staff était passé à 8, plus de 100 000 citoyens et un crowdfunding de 6 500 000 dollars. Fin 2012, plus de 7,2 millions de dollars avaient été récoltés dans des paliers de 500 000 dollars qui s'étaient enchaînés très rapidement, dont 2,1 millions, comme je l'ai déjà dit, rien qu'avec la campagne Kickstarter qui n'avait été que de 30 jours. Chris Roberts ne s'attendait pas si rapidement à cet engouement. CIG vit alors rapidement le potentiel de ce type de financement participatif, et ce n'était pas le seul avantage. Grâce à cette levée de fonds mondiale permanente, cela a permis au studio de rester indépendant et de se développer à son rythme, sans avoir vraiment de compte à rendre à qui que ce soit, donc sans éditeur, mais sauf à sa communauté, sans laquelle CIG ne serait rien, et ils le savent, car c'est bien grâce à elle que le jeu se finance. J'en reviens à 2012 et à plus de concret, le 10 octobre fut donc la date d'annonce officielle du lancement de Star Citizen, et qui expliquait le système de levée de fonds par la communauté, c'est-à-dire les joueurs désireux de soutenir le développement et de prendre le train en marche de ce grand et ambitieux projet. Les joueurs accepteraient de participer à concurrence d'une somme d'argent et recevaient en échange un early access, donc un accès au jeu ou plutôt une promesse d'un jeu, mais qui s'étofferait et évoluerait au fil du temps. La dépense la moins importante était de 30$ avec le scout, puis rapidement de 40$ avec le mercenari, sous forme de starter pack, avec un accès à Star Citizen quand il sortirait et parfois un vaisseau. Pour les tout premiers, il y avait même un ticket d'or et ils auraient accès à une alpha et une bêta. Mais très vite, début 2013 déjà, ce starter n'y donnait plus accès. Il fallait soit acheter un pack plus cher, ou payer le pass pour avoir un accès dans le futur. Et encore c'était pour le hangar, et le début de l'Arena Commander seulement. Et si on voulait dépenser le plus possible, c'était déjà possible, avec un pack nommé le collectionneur à 15 000$. Et oui déjà, qui vous apporterait les 14 vaisseaux disponibles à l'achat entre guillemets, à ce moment-là, et toutes sortes d'autres objets collectionnables en jeu ou réels, livrables chez vous. Comme les toutes premières cartes en métal, des modèles de vaisseaux, des posters, etc. Ils mettaient le paquet à l'époque sur le merchandising. Mais ce pack fut vite épuisé, et ensuite le seul pack que l'on pouvait prendre était le Wing Commander, à tout de même 5 000$, et qui donnait 5 vaisseaux, 20 000 UEC, des skins de vaisseaux exclusifs, mais surtout une série de goodies physiques que seuls les backers des débuts ont pu avoir. Car depuis, les objets réels liés à Star Citizen étaient devenus rares, ou alors achetables dans la boutique par n'importe qui. Quoi qu'il en soit, avec les différentes participations, dons, achats, peu importe comment on appelle ça, on recevait donc le plus souvent un ou plusieurs vaisseaux qui vous permettraient plus tard de parcourir l'univers qui serait créé dans le futur. Donc à ce stade, le joueur ne savait encore rien faire. Achats digitaux munis de messages d'attention, un warning pour préciser ce qu'on recevait exactement, car on s'engage dans un financement participatif, mais pas un achat proprement dit, et que toute participation est utilisée pour le développement du jeu.
Car il faut bien l'admettre, au début, les joueurs qui croyaient dans le projet et étaient présents dès les premières heures, les premiers mois et les premières années ont dû faire preuve de patience avant de voir le début d'une interaction avec le contenu qu'ils avaient eu en échange de leur participation. Les joueurs qui mettaient plus de 1 000 $ recevaient dès le début, car c'est encore le cas aujourd'hui, le statut de concierge, statut créé par la Head Marketing Sandy Gardiner, qui avait fait les cartes Citizen en métal aussi, qui n'existe plus aujourd'hui. Statut de concierge qui donne accès à des services supplémentaires, comme un portail de contact qui vous répond assez rapidement, des accès avant les autres joueurs aux différentes mises à jour, et des accès à du contenu exclusif, comme des packs particuliers, mais souvent très onéreux. Pour la petite histoire, Sandy Gardiner travaillait déjà depuis longtemps avec Chris Roberts, bien avant Star Citizen, sur sa production filmographique, donc voir l'épisode 11 de Wingman's Hangar, où ils sont tout mignons. Alors, Squadron 42 fut dans les cartons dès le début avec un premier trailer le 15 octobre 2012, qui annonçait un jeu solo dans une vaste campagne de l'UE contre une race alien malveillante et agressive, les Vanduul. A l'origine, CIG annonçait une sortie du jeu pour 2014-2015. Il s'agit de Squadron 42, jeu solo et scénarisé, et l'univers persistant, qui lui donne tant de liberté et d'autonomie aux joueurs, était la récompense, et vous donnerait accès au monde ouvert, à cet univers, découvert dans Squadron 42, mais les choses furent légèrement différentes. CIG mentionnait même un nombre de places limitées au début, pour l'accès du jeu en alpha et en bêta, mais en respectant ce quota, cela hypothéquait les promesses de dons, et donc la majeure partie du financement de Star Citizen. Donc ces quotas ont été vite abandonnés, et c'est un peu à cette période que les packs Squadron 42 et Star Citizen ont été dissociés. Les différents packs d'accès au jeu ont depuis doublé, voire triplé. Pour vous donner une idée, aujourd'hui le Constellation Andromeda, environ à 330 $, et qui n'a pas Squadron 42, mais en 2012, l'édition collector de 200 $ avec le Constellation, le jeu, Squadron 42, la boîte en métal, une clé USB, une carte physique, des blueprints de vaisseaux, des livres et des bonus. On trouve un peu ces quotas avec une mise en vente limitée de certains vaisseaux, mais ils finissent toujours par revenir, alimentant ainsi l'attente et la frénésie autour de certains, si bien que dès qu'ils sont à nouveau en vente, le succès est au rendez-vous. Et comme les vaisseaux achetés pour l'univers persistant ne seraient pas spécialement disponibles dans le jeu solo, car il s'agit d'un jeu scénarisé avec donc une trame à suivre, il fallait trouver une façon pour les joueurs de pouvoir interagir avec leur contenu acheté pendant la campagne, et ça arriva assez vite. La plupart de ce qu'on achète ou que l'on reçoit, suite à un don dans Star Citizen, est transmissible à d'autres joueurs. Et CIG mentionnait qu'il n'était pas nécessaire de prendre quantité de vaisseaux via des dons en argent, et qu'il n'était pas non plus nécessaire à une bonne immersion du jeu dans Star Citizen. D'autant que tous les vaisseaux pourront être achetables en jeu avec la monnaie du jeu, c'était précisé dès le début. Et donc, pour en clôturer sur le crowdfunding, ce n'est pas la fin du Kickstarter qui a mis fin au financement participatif. Loin de là, ce n'était que le début. Alors, nous sommes fin 2012, et CIG reste en contact avec les backers via des annonces sur le site et quelques vidéos d'explications de Chris Roberts. 2013 pointe le bout de son nez et il fallait nourrir l'imaginaire et captiver les backers existants, et surtout recruter de nouveaux futurs joueurs. C'est là que CIG démarre, peut-être sans le savoir, une interaction avec les joueurs, ou plutôt, ce qu'on appellera très vite, la communauté de joueurs, sous forme de communication média. Quelque chose qui deviendra hors du commun et visionnaire, surtout pour un jeu même pas sorti. Démarre alors les Wingman's Hangar, présenté par Eric Peterson, ce sera le premier contenu périodique de Cloud Imperium, et qui est un mélange de présentation du jeu, d'interviews, d'infos sur la vie des premiers développeurs du studio, des projets et de la construction permanente du jeu, histoire de conserver les joueurs en haleine. Tout cela ne tenait qu'à un fil au début. En février 2013 a eu lieu l'ouverture des bureaux d'Austin, un studio de développeurs, les débuts du développement concret de Star Citizen. On compte à ce moment-là un staff de 20 personnes et 121 197 citoyens. En juin 2013, c'est au tour de l'ouverture des bureaux de Santa Monica, quartier général de Chris Roberts avec son bureau. On compte un staff de 32 personnes et 134 000 backers. Alors, on arrive enfin à du concret. Pour l'historique proprement dit des améliorations, en dehors de Squadron 42, Star Citizen, dont je parle dans cette vidéo, s'oriente, ou plutôt s'orientait au départ, autour de 5 modules. Le module Hangar, le module Dogfight, qui sera appelé Arena Commander, le module FPS qui portera le nom de Star Marine, le module Social qui a porté un temps le nom de Planetside, et le module de l'univers persistant qui occupe essentiellement tout notre temps et nos pensées. Et notre première réelle interaction plus poussée avec CIG fut le module arrivé et disponible au travers du premier patch pour nous fournir un début de Star Citizen, c'était le Hangar. Alors à ce moment-là, il y avait 40 personnes ou 40 développeurs au niveau de CIG et près de 200 000 citoyens. Ce premier contenu, moins d'un an après le début du financement, fut la première phase mise à disposition des joueurs, montrée par Chris Roberts le 24 août 2013 à la Gamescom, et qui s'est matérialisée par le module Hangar qui arriva le 30 août 2013, et ensuite sous forme de patchs successifs.
Mais on ne pouvait pas encore faire grand-chose à ce moment-là. Faire apparaître votre vaisseau dans un hangar et le regarder, et rentrer à l'intérieur pour certains d'entre eux. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais pour les joueurs qui attendaient depuis octobre 2012, c'était déjà le début de quelque chose. Et l'imaginaire se concrétisait enfin. Il y avait plusieurs hangars différents. Le hangar économique, le business, le luxe, et pas encore disponible mais un peu plus tard le hangar astéroïde, plus abouti que les autres, en tout cas moins sous une forme de boîte. Au départ, ces hangars avaient été créés pour être le point de démarrage avec le choix de la planète, la Lune, l'astéroïde ou la station spatiale, d'où l'on voudrait commencer, et à terme ces portes du hangar imposantes s'ouvriraient sur l'extérieur du lieu que l'on avait choisi. Mais pour ce faire, il fallait se rendre d'abord sur le site RSI et mettre le ou les vaisseaux déjà possédés dans des slots qui alors matérialiseraient votre vaisseau dans le hangar in-game. À ce moment-là, un truc de fou, le moteur CryEngine 3 permettait d'emporter des fichiers de Star Citizen dans d'autres projets de la communauté, des autres plateformes, toutes sous CryEngine, et cela permettait d'améliorer des images, des textures et de vous faire votre propre environnement. Soit reprendre le hangar et l'embellir par exemple, soit tester dans un espace réduit et récupérer les animations et même créer un système de vol, vu l'enthousiasme de certains joueurs très motivés qui étaient doués pour le développement évidemment. C'était un moteur véritablement bac à sable, en tout cas pour des joueurs vraiment doués pour bidouiller et développer. Il est dit que certains de ces joueurs ont été engagés par CIG, et bizarrement, certains d'entre eux ont arrêté de créer et de faire des vidéos pour leur propre compte du jour au lendemain. Vraiment étrange. Revenons au hangar. Une plateforme via un écran avec une sphère holographique vous donnait accès à vos vaisseaux et progressivement dans le temps avec le développement du hangar, on a pu placer et échanger des armes, placer et comparer les composants. Et on voit déjà le travail accompli par une équipe qui n'était pas si grande encore à ce moment-là, cette version du hangar reçut différentes mises à jour. Le patch 2, 3 et 4 arriva courant septembre 2013 avec différentes corrections et légères améliorations. Avec le patch 5, fin septembre 2013, qui améliore le hangar avec une nouvelle tourelle à tir et animation pour le constellation et des animations de joueurs, comme sauter sur le vaisseau par exemple. Alors arriva octobre 2013 avec beaucoup de hype. La première CitizenCon d'abord, en 2013, à Austin, donc le 10 octobre 2013, organisée dans le but de fêter le premier anniversaire de l'annonce de Star Citizen, événement plutôt restreint à l'époque. Plutôt une succession d'interviews et de présentations sur base des concepts et voir ce que cela pouvait donner en jeu. Et cela s'est terminé avec une interaction dans un très grand hangar et ce qu'on peut donc y faire à l'intérieur, liberté dans les mouvements de caméra. Lors du patch 7, juste après la CitizenCon, le 12 du 10, pas non plus de différence notable, on peut juste répliquer qu'à l'époque, on pouvait déjà réellement s'asseoir sur le trône du Constellation. Et ceux qui s'étaient procuré vraiment beaucoup de vaisseaux, car le hangar était extensible en slot donc, ils pouvaient jouir d'une énorme surface pour se balader entre leurs bijoux et toujours ce holodeck du plus bel effet. Toujours en octobre, on retrouve toujours des vidéos de la communauté avec carrément une création d'un fan d'un modèle de vol, donc pas made by CIG. On pouvait aussi observer les vaisseaux disponibles dans le code de Star Citizen, les 5 modèles d'Aurora, les 4 modèles 300 Series d'origine, 4 Hornet, l'Avenger, le Freelancer et Constellation qui comme le Freelancer n'avait pas de nom de modèle. 16 vaisseaux donc déjà développés dans la base de données de Star Citizen. En octobre 2013, se fait aussi l'annonce de la Foundry 42. On compte un staff de 52 personnes et 248 000 backers environ. Et donc vraiment citoyens cette fois. Le patch 9 arriva le 12 décembre 2013 et annonçait surtout la persistance côté client et donc tout changement apporté dans le hangar était permanent. Une vitrine qui expose certains de vos trophées et relocking des aquariums, sinon correction de bugs et surtout une mise à jour dans le code interne pour préparer la suite. En décembre 2013, toujours extension du studio d'Austin et expansion du contenu pour la communauté. Toujours que 60 personnes chez CIG. Et fin 2013, on signe déjà 35 millions de dollars récoltés. Jusqu'au patch 10 qui clôture 2013 le 20 décembre, qui améliore encore le stand de tir avec un réticule, ajoute du contenu décoratif et joue au bowling avec son Grey 4 par exemple et amélioration de quelques lumières dans les hangars. Début 2014 nous a donné les patchs 11 et 11.1 en février. Dans ces patchs, il était toujours possible d'effectuer des tests de tir, donc avec des armes de vaisseau, mais sans vaisseau, et avec des panneaux de 20 doules en mouvement cette fois. Plutôt sympa ce stand de tir pour l'époque. À ce moment-là, tout passait encore par le hangar. Il servait de menu principal, et le but de CIG, à terme, était que le hangar soit notre vraie maison. Et via un ascenseur et un code d'amis à introduire, nous permettait de rejoindre le hangar d'un autre joueur. Fonctionnalité qui n'a jamais vu le jour. C'est en ce début d'année 2014 que CIG a réalisé avec l'arrivée de ses fonds plus importants qu'espérés, et donc les stretch goals, c'est-à-dire les objectifs de développement atteints, qu'il serait possible de créer à terme un jeu bien différent,
plus grand, plus profond, plus complet, autant en lien avec les aspirations et les rêves de Chris Roberts qu'avec les attentes de la communauté. RSI expliquait régulièrement au début que lorsque l'on avait une ville ou une zone développée, on ne pourrait pas y atterrir directement et manuellement. Mais il était plutôt prévu d'approcher une zone spécifique avec une prise de contrôle par l'ordinateur, voire une cinématique via cette assistance et la prise en main de votre vaisseau. En février 2014, ouverture du studio de Winslow à Manchester, la Fonderie 42. 93 personnes dans l'équipe et 358 000 citoyens. En février et mai de 2014, très peu de choses, 2 mois et demi pour passer du patch 11.1 au 11.2, avec juste que du fixing. Mais en juin 2014, grande étape, annoncée le 4 juin puis arrivée le 6 juin, c'était le deuxième module, tant attendu, avec l'Arena Commander, et cela permettait de donner vie aux vaisseaux, et de les utiliser dans un espace. Encore limité, mais ce fut le début. Mais la vraie utilité de pouvoir déjà s'entraîner au combat, en vaisseau, que l'on appelle le Dogfight. Il fut d'abord disponible en single player, ce patch portait le numéro V0.8.1, et les patchs du hangar continueraient conjointement à se développer, un moment avec le 12.4, c'était un peu fou d'ailleurs avec ses numérotations. Le 11 juin 2014, le premier à Rondeverse, 139 membres du personnel CIG et déjà 416 000 joueurs. À l'époque, il fallait recharger le jeu entièrement pour chaque mise à jour, elles étaient donc censées être pensées pour que ce ne soit pas trop souvent. Mais grincement dedans de la communauté, car pour jouer au Dogfight, il fallait d'abord lancer le module du hangar, puis ensuite aller dans le simulateur et charger le module Arena Commander, ce qui était assez long avant de pouvoir profiter du jeu. Se sont très vite enchaînés patch sur patch, du 0.8.2 au 0.8.5, et aussi donc en même temps le 12.5 le 31 juillet, et toujours pas de liste d'amis. Le système imaginé à l'époque pour se rejoindre était un désastre. Il fallait qu'un des joueurs lance une partie, et pendant l'écran de chargement, un code apparaissait de 12 à 16 caractères, et plutôt complexe en plus. Et il fallait que les autres joueurs introduisent ce code pour vous joindre dans un temps limité, pendant ce chargement d'une minute environ, et une fois dans le jeu, le code disparaissait avec effectivement les mécompréhensions et autres difficultés, qui faisaient qu'on ratait toujours bien un des amis, et il fallait que tout le monde ressorte pour recommencer. Même si beaucoup de personnes trouvent encore aujourd'hui le système imparfait, il est bien meilleur qu'à l'époque. Le V0.8.3 du 17 juin a rendu disponible l'Arena Commander dans le menu principal, fini désormais de passer exclusivement par les simulateurs du hangar. En septembre 2014, c'était le dernier patch sous cette forme, le patch 13. Gros correctif de bugs, dont plusieurs sur le Freelancer, meilleur effet sonore, mais une tonne de nouveautés sur des skins de vaisseaux, la jauge du fuel sur le HUD, des animations, l'arrivée du mode racing, donc le Murray Cup, ça c'était une nouveauté, qui n'a que peu changé depuis. Ce sont des courses de petits vaisseaux légers et rapides dans des cités balisées en circuit racing, avec le niveau New Horizon Speedway, et surtout l'arrivée du mode Vandal Swarm en coopératif pour l'Arena Commander. Et ce fut un gros changement ici aussi pour les hangars. Nouveau système est désormais tous construits sur le même principe pour que la dimension de chaque hangar puisse rentrer dans un même slot, peu importe le lieu dans le futur. Donc rework, réaménagement des hangars, nouveau nom, le hangar économie ou discount devient le self-land, le business un peu bleu foncé devient l'aeroview, le luxe devient le rival New York, et ajout du hangar astéroïde le VFG industrial. Les hangars devront pourtant être refaits dans le futur, car ils ne correspondent déjà plus aux futurs standards prévus pour ces slots dans l'univers. Mais lorsqu'on connaît le Star Citizen d'aujourd'hui, à nouveau on se rend compte que pour les développeurs, c'est un travail itératif. Ils testent et améliorent sans cesse les fonctionnalités, car d'autres concepts et projets viennent changer les plans en cours de développement. Le résultat n'est pas une ligne droite donc, avec un objectif clair, et le résultat directement au bout. On peut observer une série de designs et de graphiques qui ont été créés, utilisés, mais qui ne servent déjà plus et ne serviront plus à l'avenir. Et pourtant, il fallait bien les imaginer, les créer, les tester pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Et pour continuer à faire venir des joueurs, des backers et les faire patienter pendant le développement de Star Citizen, il fallait bien les occuper avec ce hangar et différentes fonctionnalités des objets à y mettre et à regarder, même si ce n'est plus très utilisé aujourd'hui. Nous arrivons en octobre 2014, avec un staff de CIG annoncé de 156 personnes et près de 600 000 backers. On arrive à la deuxième CitizenCon en 2014, à Los Angeles cette fois, et toujours le 10 octobre. On y fait la rétrospective de la CitizenCon 2013, présentation du siège social et partie du studio à Santa Monica, ainsi que la Fonderie 42 à Manchester. Info sur l'Arena Commander, présentation du nouveau Cutlass Blue et Black, et annonce du 890 Jump. Quelques interviews et cela se termine par une démo d'environ une heure avec une sortie Quantum près d'Arcorp, avec un constellation et un atterrissage sur l'Aria 18, directement dans le centre. Le passage par un sas de validation et l'Arcorp Plaza semblait déjà imaginé et construite en partie moins de 2 ans après l'annonce du jeu, un environnement pourtant déjà très abouti, alors qu'on n'avait pas encore l'ombre d'un univers persistant. Mais des images dingues alléchantes et des effets d'ombre hallucinants sur les vaisseaux, dans le ciel et au-dessus de l'Arcorp Plaza, les prémices d'un module social.
Mais vous ne pouviez pas sauter directement sur la surface Dark Orb, c'était une cinématique qui faisait le travail, tout comme l'atterrissage du constellation d'ailleurs que l'on a pu observer. 300 places furent vendues pour assister à cette CitizenCon. De nombreux patchs sont encore venus se succéder pour améliorer et enlever toutes sortes de bugs pour le hangar, l'Arena Commander et le Racing jusqu'en décembre 2014 avec la version 0.9.2. Petite remarque sur novembre qui devient désormais un mois propice aux rentrées de fonds vu la mise en place de la semaine anniversaire. Et le reste de l'année, différents concepts surgissent pour continuer à alimenter le joueur et continuer à lever des fonds pour la croissance et le fonctionnement du studio. La fin de l'année annonce le bout de son nez avec le crowdfunding qui atteignait plus de 65 millions de dollars et CIG abandonnait enfin le système de palier au profit d'une transparence presque permanente sur le montant de la participation et des dépenses. Alors, cette V1.0.0, qui n'en a que le nom, est sortie le 19 décembre avec un nouveau système de lobby et de liste de joueurs, ainsi que les amis sur le site internet. Le hangar mis à jour avec un autre personnage, on peut toujours se déplacer entre les différentes pièces d'un même hangar avec un Greycat. Un Arena Commander un peu amélioré et des nouveaux HUD pour les vaisseaux. Ajout du système de signature de vaisseau, le personnage est affecté maintenant par des forces latérales légers, et j'en passe, mais pas encore d'univers persistant. C'est la fin de l'année, le montant engrangé est de plus de 68,5 millions de dollars. En février 2015, ouverture des studios à Francfort et extension de la Foundry 42 à Manchester, un staff de 205 personnes et 725 000 citoyens. Le jeu entre officiellement dans la phase alpha de son développement avec CIG qui accélère pour rendre disponible l'univers persistant. Le patch 1.1.0 du 20 mars 2015 apporte l'arrivée du Free Flight multijoueur à 4 dans l'Arena Commander, le landing automatique avec la touche N maintenue, l'arrivée des RECs, ce sont les Rental Equipment Credit pour louer des vaisseaux, des composants, de l'armement dans l'Arena Commander et utile plus tard dans un autre module, et le début des dommages aux vaisseaux avec quelques petites fonctionnalités que je ne peux pas tout aborder ici. Petit fun fact, c'est en avril 2015 que fut le mois des fameuses motion capture pour Squadron 42, avec Gary Oldman, Mark Hamill, Mark Strong et Gillian Anderson entre autres. Les patchs 1.1.1 à 1.1.6a ajoutent aussi diverses petites fonctionnalités, animations, équilibrage et correctifs, comme le flight tutorial en jeu, le free flight qui passe à 8 en mai, puis ensuite le Battle Royale et le Squadron Battle à 16 en juillet. Évidemment, les différents anciens vaisseaux qui avaient fini par recevoir l'une ou l'autre variante, comme le Constellation Andromeda par exemple, reçoivent de meilleures textures et effets lumineux. Mais il faut bien l'admettre, assez peu de concret entre avril et août, vu que les développeurs travaillaient d'arrache-pied sur un gros morceau à cette période. En août 2015, à la Gamescom, une démo multicrew et un nouveau module présenté aux joueurs après le hangar et le dogfight, le module social. Ils sont 260 chez CIG, et on se rapproche du million de citoyens. Alors pour le patch 1.2.0 du 28 août 2015, alors pour les plus novices, vous n'allez pas me croire, mais on a eu, enfin pas moi, je n'étais pas encore là, mais les backers ont eu Arcorp. Enfin une petite version de l'Area 18, je vais vous expliquer. Tout d'abord l'Arena Commander 2.0, si on peut dire, un modèle de vol amélioré, d'autres améliorations. Mais ce module social, qui avait été nommé aussi Planet Side, CIG l'appelait désormais le module multijoueur Arcorp, qui devait permettre de rencontrer des amis dans son hangar, avoir sa contact list dans son MobiGlass, du chat in-game avec l'environnement sur Arcorp où l'on croisait d'autres joueurs, avec du shopping possible et avec l'Arena Commander et le FPS Lobby. Ce module fut uniquement à pied, on ne pouvait pas se balader en vaisseau autour d'Arcorp. Il fallait emprunter un ascenseur qui était derrière une double porte, derrière le personnage lorsque l'on arrivait dans le hangar, et ensuite un sas pour accéder au module social. Mais pourtant ce que les joueurs attendaient vraiment c'était l'univers persistant et toutes ses promesses, et ce module social était un petit peu une incubation et un test grandeur nature, multijoueur, de tout ce que nous allions avoir plus tard. À ce moment-là, on nous promettait encore d'avoir le premier épisode de Squadron 42 à l'automne 2015, mais l'avenir nous a appris que ce n'était pas près d'arriver. Alors, on est déjà à la CitizenCon 2015, et oui déjà, la première à Manchester, toujours avec cette date clé du 10 octobre, présentation axée sur la future mise à jour 2.0, et une heure de gameplay autour de Crusader, Port Olisar, Cry Astrofuel et Security Post-Carea. Et tout logiquement, on a fini par l'avoir. Une date à retenir, le 11 décembre 2015. C'est enfin la 2.0 qui est arrivée officiellement. Ce que les joueurs attendaient vraiment, c'était une avancée majeure et signait le début d'un vrai univers persistant, donc le PU, et toutes ses promesses. C'était l'arrivée de Crusader, cette géante gazeuse fascinante, et de Port Olisar, avec cette musique déjà envoûtante et caractéristique. Alors il y avait des comarets, et on peut observer aussi le Cry Astrofuel 042, qui était plus proche de Crusader à ce moment-là, et on peut voir la réparation par des drones et du refueling. Il y avait aussi le Security Post-Carea autour de Céline, le Kovalec Shipping Hub et Yela. Le montant engrangé à fin 2015 est de 104,5 millions de dollars.
Cette partie de Star Citizen, et donc cet univers persistant, a aussi été catalogué, et pourtant pas de manière péjorative, comme un jeu bac à sable qui permettrait de nombreux styles de gameplay, pour tous les goûts et pour divers talents, car on pourrait se battre, se défendre, commercer, miner comme étant un début d'industrie, mais aussi la navigation, l'exploration et l'interaction avec des joueurs, mais aussi avec de nombreux personnages non joueurs, avec la possibilité à terme de créer ses propres lignes commerciales, son industrie et ses lignes de production. La 2.1 arriva le 15 janvier 2016, un freelancer enfin flyable ainsi que le sabre et l'update du Vanguard Warden. L'arrivée aussi du Malion My Club pour ceux qui ont la chance de pouvoir tester, accessible par l'ascenseur du hangar ou le menu principal. Ensuite tout s'enchaîne, la 2.2.0, le 4 mars 2016, ajustement de Crusader et des lunes désormais à des distances plus appropriées. Et les instances passent aussi de 16 à 24, toujours avec un framerate qui était assez difficile à ce moment-là. Nouvelles animations en FPS, en 0G, nouvelles armes, fusils d'assaut à énergie, mais surtout activation des zones surveillées et les nouvelles icônes sur l'interface pour savoir si nous sommes dans un espace surveillé et une zone d'armistice. Arrivée du système d'hostilité et du système de la chasse à la prime. Possibilité de devenir hors-la-loi, différents niveaux de criminalité et skins de personnages liés. Déplacement des comarets est activable ou désactivable par les joueurs. La 2.2.2 en live directement apporte une meilleure stabilité. Correction de bugs mais toujours des difficultés de framerate. Pas de nouveautés vraiment notables. Et cette seconde semaine de mars 2016 a apporté déjà un free flight pour tester les nouveaux vaisseaux. Le patch 2.3.0, le 26 mars 2016, ça s'enchaîne, PTU du 19 mars, ce patch donne accès au nouveau Cartwall en flight ready, et le Starfarer prêt pour le hangar, le Rival and York, ainsi qu'à deux nouvelles armes FPS, de nouveaux composants, des mises à jour d'animation et des EVA, ainsi qu'à de nombreuses corrections dans le jeu. Une IA supplémentaire de sécurité autour de Port Olizar pour attaquer les joueurs avec certains niveaux de Crimstat. Les sites de récupération Souriella sont signalés désormais par des flares verts. La récompense pour avoir tué un criminel de niveau 5 sera désormais le Arrowhead Super Rifle et disponible à Port Olizar. Et mise à jour du Devastator 12 Shotgun ainsi que d'autres disponibilités d'armes par-ci par-là. Et là en 2016, une période plus compliquée et difficile à démarrer au niveau de la communication pour CLG. Il y avait de nombreux reports, beaucoup d'attentes au niveau des joueurs et on attendait cette 3.0 qui devait apporter tellement. Le patch 2.4.0 du 9 juin 2016 démarrait l'expérience shopping comme l'annonçait CLG. Après des mois d'attente, ouverture du Kazaba Outlet sur Arcorp, les vêtements étaient là. Cubiblast était là aussi pour vendre des armes, des combinaisons de vol et des armures. De nombreuses modifications apportées à Crusader, Carrea et Port Olizar qui furent rénovées avec l'amélioration de l'Atrium, la mise en place de nouvelles missions, l'arrivée de la monnaie Alpha UEC, c'était la première itération de la persistance côté serveur. Et grâce à ça, CIG a pu commencer à stocker des informations sur les personnages, les objets, la monnaie et la réputation en jeu, afin de pouvoir les récupérer entre chaque session de jeu. L'arrivée du Starfarer en jeu et du Reliant en hangar ready. En août 2016, CIG annonce la 3.0 avec le System Stanton terminé. On a eu droit à une heure de gameplay sur Delama. Greymex arriva le 25 août 2016 avec la 2.5, tel un nouvel os à mordre pour les backers en attendant la 3.0 annoncée, mais surtout un nouvel endroit pour spawn et un nouveau landing zone. Et l'annonce de l'Argo MPUV, à nouveau du Reliant, avec une belle évolution graphique, des textures et de la lumière. Et des vaisseaux flight ready comme le Herald et le Vanguard. Toujours à cette Gamescom, on a eu droit à l'annonce du concept en ville Terrapin. Et la première démo d'une entrée en atmosphère avec les effets de chaleur et le premier atterrissage sur un planétoïde. C'était Delamar et Levski, et le donateur de mission Miles Eckhart. En septembre 2016, le studio s'est toujours défendu de ne pas avoir une date ferme pour la sortie de Squadron 42, même si pourtant une phrase de Chris Robert stipulait explicitement que tout le contenu graphique et l'émission seraient terminés à la fin de l'année. Mais une autre déclaration, pour se justifier, annonçait qu'il ne serait pas possible que Squadron 42 sorte avant mi, voire fin 2017. Même si on peut supposer que toute transparence est difficile dans ce genre d'environnement, car pour lever des fonds, pour développer un tel projet, il faut aussi faire rêver. Et c'est un volet qui prend aussi du temps, et les contraintes techniques et de la réalité d'une équipe de travail de développeurs est bien là. Pourquoi CIG aurait pu développer et sortir un tel projet inédit et ambitieux en moins de 5 ans, alors que des Diablo 3 ou des prêts, et j'en passe, ont mis 11 ans à se faire? C'est la communication qui est délicate ici, car sans la communauté, ça n'avance pas. CIG ne dispose pas de fonds illimités, ou calculés plutôt, avec un éditeur derrière, et une timeline estimée normale. Les backers n'auraient jamais mis autant dans ce projet sur la timeline réelle connue à nos jours si elle avait été dévoilée en 2012. Et de toute façon, qui peut lire dans l'avenir? Quand quelqu'un comme Elon Musk vous dit qu'en 2024 il pourra envoyer,
Non, je m'exprime mal. Quand il dit qu'il enverra 6 personnes faire le tour de la Lune, puis revenir et tout ça en 15 jours, vous avez envie de le croire. Et c'est la même chose pour Chris Roberts. Et pourtant, les délais sont à chaque fois non réalistes. Car la réalité du terrain, l'avancée des technologies, le retour de la communauté, les modifications permanentes et le perfectionnisme de Chris Roberts, et ce n'est pas pour nous déplaire, du jeu retarde sans cesse cette échéance. Alors, heureusement que la CitizenCon 2016 à Los Angeles, le 9 octobre 2016 donc, avec une heure de gameplay environ sur l'IR, avec le serpent des sables, avec ces images magnifiques que nous avons tous vues, avec cette entrée donc sur cette planète qui semble riche, agréable à vivre, et l'on se pose comme une fleur, les joueurs avaient à nouveau de quoi rêver. Car entre la 2.5 qui n'a pas reçu de complément, donc pas de 2.5.1 et ainsi de suite, et donc la 2.6, 4 longs mois sont contenus, mais les développeurs bossaient à fond. La 2.6 était l'arrivée de Star Marine, comme cadeau de Noël, le 23 décembre pour être exact, avec 2 cartes et 2 modes de jeu, mais pas encore de leaderboard. 4 nouveaux vaisseaux flyable, donc l'Aegis Vanguard Hoplite, le Drake Herald, le Drake Caterpillar et l'Origine 85X. Et 4 nouvelles variantes, l'Envy Lornet F7C Wildfire, l'Aegis Avenger Titan Renegade, l'Aegis Sabre Comet et l'Aegis Gladius Valiant. C'était vraiment Noël. Il y a aussi de nouvelles postures FPS et de l'équilibrage un peu partout, dont les vitesses de vaisseau qui ont été adaptées. Ouverture du bar à Grimex et de nouveaux lieux à visiter autour de Crusader. Une nouvelle mission et la ceinture d'astéroïdes Ayela a reçu une mise à jour avec un champ plus dense. En décembre 2016 environ, c'est la période du passage de CryEngine 3 au Lumberyard dans Man's Zone qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fait couler encore beaucoup. L'année se termine avec un staff CIG de 369 personnes. Le montant engrangé à fin 2016 est de 140,6 millions de dollars. Il est à noter que toute cette 2.6 jusqu'à la 3.0, qui couvre quasi toute l'année 2017, est une période connue pour être appelée The Great Drought, la grande sécheresse. Difficile moment pour CIG, pour le financement du jeu, et sera un grand moment de doute aussi pour les backers, avec une 3.0 repoussée sans cesse. Mais ce fut aussi dû à des difficultés diverses, divers développements qui n'avancent pas, un financement qui stagne par moment, mais surtout de grosses déceptions sur Star Marine, qui avait été outsourcée par un autre studio, et les attentes ne furent pas au rendez-vous. Et donc le développement de Star Marine fut repris par CIG, qui cassa le contrat. Le premier patch complémentaire de cette version 2.6, donc la 2.6.1, du 17 février, avec surtout des corrections de bugs et de l'équilibrage dans l'Arena Commander, le Race Mode et Star Marine et l'implémentation du Leaderboard, et quelques optimisations d'extérieur et d'intérieur de quelques vaisseaux comme le Retaliator, le Starfarer et le 85X pour ne citer que. Petite nouveauté qui mérite d'être soulignée, c'est là qu'on a pu voir des serveurs différents au démarrage, tels que les États-Unis, l'Europe ou l'Australie. Puis enfin la 2.6.2 du 31 mars avec l'implémentation de map mentionnée Mega Map pour le multijoueur dans l'Arena Commander et Star Marine, nouveau vaisseau le Drake Buccaneer disponible in-game. Cette 2.6.2 apporte aussi le support d'une nouvelle résolution d'écran widescreen, le 21/9. Sinon, plusieurs légères modifications dans Star Marine mais pas de changement majeur non plus. Et enfin la 2.6.3 le 7 avril 2017 et cette 3.0 qui n'arrive toujours pas avec les lunes qui étaient tant attendues depuis des mois. En juillet 2017, on était à 154 millions de dollars de développement. Ce patch est principalement dédié à la correction de bugs, dont des soucis de pad et dans Star Marine, avec un focus continu sur la stabilité et les performances du jeu. Pas de nouveautés. Alors, on avance toujours, nous voici à la CitizenCon 2017 de Francfort, le 27 octobre 2017. Et là, on n'est plus le 10 non plus. Une heure de gameplay sur Arcorp avec Astro Armada pour commencer, puis l'Arcorp Plaza dans une version qui n'est pas la version finale vu la possibilité de prendre un vaisseau directement depuis le centre, après avoir passé un simple sas de sécurité à cet Arcorp Plaza. Et on survole l'Area 18 un temps pour ensuite quitter l'Atmo et arriver sur une station en orbite basse. La folie à ce moment-là, alors qu'on n'avait pas encore de lune de Crusader en octobre 2017. Ça a bien aidé à booster l'achat de vaisseau à la semaine anniversaire cette année-là. Je vais vous le confier, c'est cette vidéo qui m'a fait démarrer Star Citizen, c'est vous dire. Ensuite départ pour Hearthstone, passage au-dessus du complexe industriel, puis près de l'Orville, qui était beaucoup plus industriel avec de nombreuses tours à fumer qu'aujourd'hui. Et un tour en Nox pour un retour vers l'Orville et voir de premiers spécimens vivants. Et enfin, la 3.0, le 29 novembre 2017. Alors maintenant je vais chaque fois donner 2-3 mots pour décrire les patchs, donc ici, Lune Crusader, l'Esky, le Graal des fonctionnalités. L'Alpha 3.0.0 était la plus grande mise à jour du contenu CIG à ce jour, avec de nombreuses mises à jour techniques et du système de base tout entier. Les joueurs ont eu enfin accès à des surfaces planétaires pour la première fois sur 3 lunes, Yela, Demar et Céline, ainsi que le planétoïde minier, Delamar, et surtout les skis.
base construite dans la roche qui était une installation minière active qui fut abandonnée et est devenue par la suite un foyer pour les radicaux politiques et les criminels. Zone plutôt anti-UE, mais maintien de l'ordre tout de même. Les corps planétaires avaient désormais un mouvement de rotation complet avec des cycles jour-nuit dynamiques. C'était il y a plus de 2 ans. Ces nouvelles surfaces sont étendues avec plus de 3 millions de kilomètres carrés à explorer et parsemées d'avant-postes de surface et de vaisseaux abandonnés. De plus, ils ont ajouté 4 nouveaux vaisseaux, le RSI Constellation Aquila, le MISC Prospector, l'AOPO Anox et le Drake Dragonfly, vu le nouveau système Gravelave. Et le premier véhicule terrestre dédié, l'URSA Explorer. La base de notre système de mission remanié, avec de nouvelles missions, un tout nouveau launcher, de très nombreuses informations étaient dans le patch note sur les nouvelles fonctionnalités, les touches clavier et comment les utiliser, dont le système d'interaction avec la touche F. C'était aussi le début de l'atterrissage via un système de contrôle aérien et d'autorisation, le système quantique via la StarMap, la respiration, l'endurance et le rythme cardiaque, le système des blessures, les indices et les conseils, le lancement de parties en groupe. L'état de persistance du personnage et du vaisseau est maintenant mis à jour toutes les quelques minutes et à la déconnexion. Après notre mort, nous renaissons dans la station qui avait été visitée en dernier. La visite était déterminée par la proximité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les PNJ vaguent désormais à leurs occupations quotidiennes sur Grimex, Port-Olizar et Levski. Introduction des kiosques de magasins, changement sur la post-combustion et enfin remaniement du système d'émission avec désormais tous les gameplays suivants proposés ou promis à différents niveaux d'aboutissement comme les livraisons, le déploiement, la récupération, la chasse à la prime d'IA, l'assassinat d'IA, la récolte, l'élimination des déchets, la patrouille, l'enquête à l'abandon, l'escorte, et je passe des dizaines de petites modifications et détails. Un peu long ici pour la 3.0, mais elle a apporté de grands changements pour Star Citizen et les joueurs. La base de ce que nous avons aujourd'hui, raison aussi pour laquelle elle s'est faite tant attendre, car promise pour fin 2016 à la base. C'était un gros morceau. Je vous mettrai un lien dans le commentaire, qui est un lien encore mieux que le patch note, un lien vers le post en Spectrum qui explique la 3.0 en détail par le staff CIG, des lignes de nouveautés et de modifications. Voici la liste des vaisseaux qui ont reçu le plus d'attention pour cette mise à jour. Le Gladius, la série de Hornet, le Sabre, le Vanguard, les Constellations Series, le Cutlass Black, le Caterpillar, l'Anox, le Dragonfly, le Prospector, le Freelancer, les Aurora Series, les Argos, le Buccaneer, le Grey Cat, le Starfarer, le Cartwall, l'Avenger Series, le Gladiator, le Mustang Series, le Herald, le Merlin, les 300 Series et l'Ursa. Du très 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 gros boulot de la part des développeurs. Ajout des réactions de dégâts suite à un contact avec votre vaisseau et des dommages et alarmes à l'intérieur. Évidemment, énormément d'optimisation des IA, des nouvelles armures et armes pour la Bering P8 par exemple et le nouveau Mobiglas, mais qui va encore un peu changer par la suite. Nouveau HUD, donc interface vaisseau, et plusieurs écrans personnalisables. Le montant engrangé à fin 2017 est de 175,5 millions de dollars. Un staff CIG de 464 personnes et près de 1 950 000 backers. Pour la 3.1.0, le 31 mars 2018, on est presque à 2 millions de stars citoyens, corrections diverses dans le jeu de la 3.0. Dernière modification Mobiglas en date, l'actuelle en fait, création du système Planet Tech pour la génération des planètes, c'est comme ça que les lunes de Crusader ont été créées, grosse amélioration sur les explosions de vaisseaux et effets lumineux, arrivée de l'appel de détresse pour qu'un joueur puisse sauter sur votre position. Arrivée du MISC Resort, du Tumbril Cyclone, de l'AOPO Anox Q, de l'Aegis Reclaimer et du Terrapin de Chéanville. Pour les armes, le Preacher Scattergun, la série des Galanson Tactical, le Gemini R97 Shotgun et mise à jour de la ligne Amon Henry's Omniski. On arrive à la 3.2.0 le 30 juin 2018, en tout cas c'est la date du patch note. Ajout du gameplay mining aux lunes de Crusader, DMR, Yela et Céline, et implémentation du système des groupes. Ajout de l'envol Hurricane et de l'Hesperia Blade, ainsi que de l'Aegis Eclipse et du 608 Explorer. Révision des Avengers. Et les vaisseaux ont désormais la fonctionnalité Scanner Ping. Un canal de discussion est créé dans le Mobiglas, activation du voyage quantique de groupes basés sur la partie. Ajout de points OM pour des trajectoires orbitales pour le voyage quantique, permettant de voyager autour des corps planétaires vers des destinations proches de la surface. Crimstat ajouté lors de stationnement illégal plutôt que d'effectuer un atterrissage en règle. Ajout de vêtements chez Kazaba pour la Port-Olizar Collection. Beaucoup de nouvelles armures, nouveaux écrans ou terminaux comme arrêt. Ajout d'armes comme le Castac Arms Scalpel, la Demeco Light Machine Gun et le Gemini F-55. Mise à jour des écrans de chargement pour tous les modes de jeu, les voyages quantiques ont maintenant un temps de calibrage, dépendant de la distance et de la destination. Le joystick peut maintenant contrôler le tangage et le lasser en mode libre. La fenêtre de chat est maintenant ouverte par défaut et disponible à la troisième personne. Rééquilibrage des tarifs des biens et services dans tout le verse et mise à jour des IA en dogfight.
et bien d'autres détails également, car cette 3.2 était assez importante, ainsi qu'une correction de bugs longue comme le bras. La 3.2.1 est arrivée le 24 juillet 2018 et la 3.2.2 le 2 août 2018, avec pour ces deux mises à jour des ajustements de prix, réduction d'efficacité sur certaines tourelles IA, équilibrage des coûts d'assurance plus en lien avec le coût du vaisseau, augmentation de fréquence de certaines missions, ainsi que plusieurs mises à jour et d'ajustements d'écran d'interface et d'armes. Alors, la CitizenCon 2018 à Austin, on revient le 10 octobre 2018, une heure de gameplay sur Hearthstone et nous dévoilons le premier transport en commun et l'Hearthstone Dynamics Building de 4 km de haut. Ce fut une CitizenCon incroyable où nous ne sommes pas allés une seule fois dans l'espace. Et donc directement après la CitizenCon, pour la 3.3.0 du 10 novembre 2018, intégration du Voice over IP et du Face over IP qui fut désactivé par la suite faute d'efficacité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Voice over IP, donc, c'est pour pouvoir parler directement en jeu. Et le Face over IP, c'est justement pouvoir faire des grimaces devant votre webcam et que ce soit retranscrit sur votre personnage en jeu. C'est à cette 3.3 qu'a eu l'extension de la fonctionnalité de réparation, remplissage, réarmement, précédemment associée à CryAstro, à toutes les aires d'atterrissage des stations. Borolizar, Levski et Grimex, ainsi qu'aux aires de repos. Ajout ici de Cru L2. Ajout de la planification d'itinéraires quantiques. Ajout du Teach Ship Shop sur Levski pour l'achat in-game de vaisseaux et véhicules. Nouveau donneur de mission, l'ancien mineur Reiko Battaglia. Et ajout de minage d'astéroïdes au gameplay planétaire existant. Pour les vaisseaux, les engins, les cyclones TR, AA et RC, le RSI Constellation Phoenix, l'Aegis Hammerhead et l'Anvil Valkyrie. Les refroidisseurs utilisent maintenant la puissance, fonctionnent selon la puissance et peuvent être overclockés. Le Quantum Drive fonctionne maintenant en fonction de son état de puissance. Et le niveau de puissance peut maintenant être réglé indépendamment pour chaque élément du vaisseau, ce qui permet de les suralimenter ou de les sous-alimenter manuellement. Ajout des armes de vaisseau de série Hearthstone Dynamics Dominance et Attrition. Les Quantum Drive ont maintenant une portée maximale par saut qui varie en fonction de la taille du composant en question. Mission Scramble Race et pour l'Arena Commander, ajout du système de location. Nous voilà le 21 novembre 2018 avec déjà la 3.3.5, ajout de la première planète en tant que telle est considérablement plus grand que les lunes et biomes auxquels nous avions droit jusqu'ici, et de sa landing zone Lorville, avec les lunes Aberdeen, Magna, Arial et Ita. Et elles sont toutes peuplées d'une poignée d'avant-postes. 7 aires de repos supplémentaires, interaction élargie avec certains objets, nouvelles armures et combinaisons dont l'Odyssée 2, et enfin amélioration sur certains vaisseaux et de véhicules de feu avant pour une meilleure visibilité. La 3.3.6 arriva le 22 novembre 2018, et oui, vous avez bien entendu, le lendemain de la 3.3.5. C'est la version la plus courte de l'histoire du développement, avec plusieurs corrections rapides de bugs, beaucoup trop nombreux à la sortie de cette 3.3.5, et aussi de trop nombreux crash serveurs comme clients, les devs ont dû bosser H24. Le 4 décembre 2018 sortait la 3.3.7, cette mise à jour comporte quelques corrections comme toujours, mais c'était surtout pour enlever les éléments de la semaine anniversaire à Lorville, et la mise à jour d'animation de certains PNJ. Alors, la 3.4.0, le 21 décembre 2018, un mois tout juste après la 3.3.5, c'était la mise à jour avec l'accès à l'Hearthstone Dynamics Building, c'est la sortie des variantes Freelancer, on ne voyait que dans le verse. Comme à chaque fois, CIG reconnaît une série de problèmes connus et résolus, ou non, avant de passer au contenu de cette mise à jour, autant en nouveau contenu qu'en mise à jour de contenu, car c'est un patch avec beaucoup de petites modifications de contenu et de fonctionnalités. Mais les nouveautés, ajout donc du quartier des affaires de Lorville Central, il est accessible par la ligne de transport en commun Central Line qui part de la gare Leavesden. Dans ce district, on retrouve la bourse d'échange des matières premières, le siège social de la ville et le bureau de Constantine Hearthstone. Le quartier comprend également le Hearthstone Dynamics Showroom où les dernières armes du fabricant d'armes sont fièrement exposées pour être achetées. Ajout d'un nouveau donneur de mission, Wallace Klim, chimiste et trafiquant de drogue sur Levski, modification de mission pour Hearthstone. Pour les nouveaux vaisseaux, l'Anvil Hawk, la variante 608 Touring, et donc les freelancers Miss, Dur et Max avec cette belle capacité de cargo, et aussi le Constellation Phoenix Emerald in-game. Modification pour le prospecteur, déploiement visuel, fracturation, extraction, ajout du physique SAR, Ravager et ajout d'armes diverses. Pour l'Arena Commander, ajout de la possibilité de louer des armes et des composants de vaisseaux dans le menu. Fin décembre 2018, déjà plus de 521 employés CIG et plus de 2 122 000 citoyens. Le montant engrangé à fin 2018 est de 205 millions de dollars. Les « entre guillemets » sous-mises à jour de la 3.4 n'ont pas été très intéressantes ou importantes sur le contenu, dont la 3.4.1 du 14 janvier 2019, une mise à jour que de correction de bugs, aucune nouveauté, exemple l'ascenseur du 600i devrait pouvoir descendre jusqu'en bas, les tourelles du Hammerhead devraient maintenant avoir un mode feu alternatif qui fonctionne,
Autre exemple, 3.4.2 du 15 janvier 2019, à nouveau correction de bug, plus ajustement sur les Quantum Drive, ajout de son pour le Prospector, suppression de plusieurs SCU sur le 600 e-Touring, et la 3.4.3 du 24 janvier 2019, à nouveau, mise à jour purement technique, fixation de crash client, etc. La 3.5.0 du 5 mai 2019, ce sont les couleurs, Ladies, Tessia, Arcorp et Reliant. Donc c'est l'ajout d'un système de personnalisation du visage, de l'ADN. Dans un premier temps, choix du sexe, puis parmi un ensemble de personnages disponibles et personnaliser le mélange des traits faciaux pour faire notre propre personnage, le système comprend des modes simples et avancés qui permettent de personnaliser le visage avec le niveau de complexité souhaité. De plus, la sélection Eidonomy permet de sélectionner des traits individuels tels que la couleur des yeux, des cheveux, la teinte de peau, etc. Ajout de personnages féminins jouables, ajout d'Arcorp et de lune Lyria et Walla, ainsi que la zone d'atterrissage Area 18, séparée par le City Flight entre l'Area 18 Plaza et le Riker Memorial Spaceport. Nouveau donneur de mission, Tessia Pacheco. Ajout de vaisseaux de sécurité et de contrôle autour d'Hurston. Ajout de plusieurs missions. Pour les vaisseaux arrivés, des variantes de Reliant avec le Tana, le Sen et le Mako, ainsi que l'Anvil F7CM Super Hornet Earthseeker, ainsi que le Full Rework du 300i. En armée armure, le Gemini S71, le Coda Pistol et ajout de très nombreuses variantes de couleurs pour les armures. Et évidemment, toujours des mises à jour de contenu, fonctionnalités et gameplay déjà existants que je ne vais pas détailler ici. Le 7 juin 2019, première sous-mise à jour avec la 3.5.1, fonctionnalité principale de ce patch, la customisation de la série 300 de chez Origin et conservation des modifications apportées au vaisseau comme les composants et les armes lors d'un reclaim différent, autres updates et corrections de bugs. Voici la 3.6 du 21 juillet 2019, c'était le Hover Mode, le Ballista et customisation d'armes. Mise à jour un peu fourre-tout, mais tout de même avec pas mal de choses. Mais c'était surtout l'arrivée du Hover Mode, donc ajout de l'usure visuelle et technique des composants, et de malfonctions dont la visibilité dans les thrusters des dégâts au vaisseau. Pour les vaisseaux, le P72 et mise à jour du P52, l'arrivée de l'Anvil Ballista, c'était normalement l'arrivée du fameux 890, mais il sera retardé. Nouveau lieu et mise à jour du système de piratage. Tourelle automatisée à Grimex, révision complète du système de droit et de criminalité. L'arrivée des attachments et de la customisation pour les armes. Nouveau pistolet Behring S38 et du Lumine V-SMG de Klaus & Werner. Ajout de fonctionnalités pour les channels Voice over IP, comme l'ajout automatique de proximité et un channel spécifique au vaisseau. Mise à jour complète des restops extérieurs, éloignement de délamarre de Crusader et mise en place de son propre object container. Version 2 du Transit System. C'est là que les trains sont passés maintenant en boucle avec plusieurs trains sur chaque ligne, ce qui devrait réduire le temps d'attente sur l'ensemble du réseau. Les ascenseurs peuvent maintenant se déplacer vers n'importe quel hangar, ils ne sont plus spécifiques à hangar, modifications visuelles autour de leur ville. Suppression temporaire de certaines missions, ajout d'autres, et arrivée de l'économie black market avec les marchandises légales, illicites et illégales. Sinon, diverses autres mises à jour comme le rework du Vanguard Warden, augmentation de la résistance de la coque du Quart Wall, amélioration de boucliers, augmentation de dommages de missiles, mise à jour du HUD, du Gladys, etc., etc. Le 8 août 2019, arrivé à la 3.6.1, une mise à jour technique et correction de nombreux bugs, et exemple de modification, réduction de contrôle de sécurité IA, et ajout d'un message sur le HUD, et disparition dite temporaire de l'animation VTOL des thrusters du Cutlass, ainsi que d'autres légers détails. La 3.6.2 du 5 septembre 2019, enfin le 890, cette mise à jour était surtout pour l'ajout in-game de ce fameux 890 Jump et ajout de deux autres hangars XL à Lorville et Area 18 pour accueillir le 890 et le Reclaimer. Alors passons tout de suite à la 3.7.0 du 11 octobre 2019, c'était l'inventaire, les grottes, le Mantis. Jolie mise à jour, en tout cas plus qu'il n'y paraissait au premier abord, ajout d'une option d'activation vocale pour la transmission Voice over IP disponible dans le menu des options FOIP et VOIP, ajout de kiosque de location de vaisseau, les joueurs peuvent maintenant miner à pied avec le multitool, des objets récoltables peuvent maintenant être trouvés et collectés sur divers corps planétaires. Implémentation de l'inventeur personnel du joueur, arrivée des grottes à Démar, Hurston et Aberdeen, l'ATC va maintenant restreindre les privilèges d'atterrissage en se basant sur le crime, plus d'atterrissage sur certaines zones dans ce cas. Nouvelle mission d'enquête sur les personnes disparues pour les grottes. Les joueurs peuvent maintenant partager des missions. Nouvelle carte Star Marine, le Good Doctor. Pour les vaisseaux, ajout du Vanguard, Harbinger et Sentinel et arrivée d'un tout nouveau gameplay disponible aux joueurs, l'Interdiction, avec l'arrivée surprise du RSI Mantis. Ajout du Banu Defender, ajout du nouveau système IFCS qui est l'aide de proximité. Pour les armes, arrivée des canons laser Kronex Series, du Salva Frag Pistol, de nouveaux accessoires d'armes et mise à jour de certains existants.
Les flares peuvent maintenant être achetés dans divers magasins, et très important pour le FPS mining, ajout d'une armure inventaire, le MacFlex, Rucksack, chez Consensus Objects sur Levski, Cubiblast chez Area 18 et Tamanison à Lorville pour un premier temps. Nouveau, dissociation de la base de données des vaisseaux entre l'Arena Commander et l'univers persistant, mise à jour de la customisation du personnage, ajout et enlèvement de certains éléments comme la disparition du Restop URL2, réintroduction de missions de niveau 5 de Krimstat, ajustement de la position de certaines zones d'interdiction de vol autour des hangars horizontaux de la zone Area 18, suppression temporaire de plusieurs villes du système de livraison, mise à jour du Pirate Swarm et quelques mises à jour liées à l'arrivée du 890 Jump comme sa consommation, sa résistance et comme les coûts de refuel liés au plus gros vaisseau sur Kaiastro. Retour à un seul bouclier pour l'Arrow comme prévu à l'origine et enfin quelques modifications légères d'armes. Alors la première sous-mise à jour, la 3.7.1, arriva le 22 octobre 2019. Ajustement du taux d'interception, correction du bug sur le Mantis et fonctionnalité du Mantis considérée comme hostile, suppression temporaire de la surchauffe quantique. Alors la CitizenCon 2019 est arrivée, elle se déroulait en 2019 à Manchester le 23 novembre 2019. On a eu droit à une heure de gameplay sur Microtech. La 3.7.2 arriva juste après, le 24 novembre 2019, et c'était donc l'ajout de l'Anvil C8 PCs et le C8X PCs Expedition, mise à jour de comportement de donneur de mission. La fenêtre de chat a été déplacée plus bas pour éviter un léger chevauchement avec l'état de l'utilisateur et une légère modification du ping sur le Mantis. Et enfin, la dernière grosse mise à jour connue de cette vidéo, la 3.8.0 du 22 décembre 2019, ajoute de la planète Microtech, y compris l'extérieur de la nouvelle zone d'atterrissage de New Babbage, même si on ne pouvait pas encore s'y poser à cette sortie de 3.8. Et pas d'accès non plus au centre de New Babbage, et donc pas au transit non plus. Ajout des stations orbitales au-dessus des principales zones d'atterrissage planétaire, elles ont toutes leur nom propre désormais, ajout d'une nouvelle variante de l'intérieur des restops beaucoup plus gros contenu, ajout des effets d'humidité de la visière et de la canopie pour certains vaisseaux lorsqu'ils sont dans des environnements appropriés. Les joueurs ont maintenant la possibilité de sélectionner leur emplacement initial lorsque c'est la première fois qu'ils se connectent au jeu après une mise à jour, ajout de rotation de la texture du vent et nuages sur toutes les planètes et les lunes. Ajout d'effets de tempête de poussière, sable sur les corps planétaires appropriés, et le vent affectera désormais le modèle de vol. Ajout d'une fonction de mise à fourrière au système juridique ainsi que des demandes, et ajout d'une infraction criminelle pour coups et blessures. Nouvelle mission sauvetage du 890 Jump détourné et appel aux armes. Ajout de missions de style patrouille de plus grande difficulté qui engendrent des vaisseaux plus durs et des tourelles de garde. Ajout de combats de mêlée incluant le combat au poing et couteau, ainsi que des prises mortelles et non mortelles, et donc l'armistice de Grimex a été mis à jour pour le permettre. Ajout de feu de localisation de cargaison abandonnée, clignotant, pour la cargaison qui est éjectée d'un navire détruit. Important, les infractions criminelles mineures, collision de véhicules ou destruction de véhicules, ne seront maintenant pas déclenchées lorsqu'elles sont commises contre les membres d'un même groupe. Pour les armes, arrivée de l'Animus lanceur de missiles et du Bering P6LR. Et enfin, pour les nouveautés, implémentation du SSOCS, c'est-à-dire l'Object Container Streaming côté serveur, côté modification et adaptation, déplacement de Kim Wallace à Grimex et déplacement de Miles Eckhart à Lorville, augmentation de la vitesse de déplacement à la première personne et mise à jour du Planet Tech, désormais version 4. Grosse mise à jour et tous les corps, lunes et planètes ont été refaites avec cette nouvelle version. Des mois de travail, mais bien profitable pour la suite des évolutions des corps planétaires. Mise à jour et amélioration des caméras à la troisième personne et en vue extérieure de vaisseaux, et toute une série d'améliorations mineures de correction de bugs. Fin décembre 2019, car on s'arrête là, le montant engrangé était de 261 millions de dollars pour le crowdfunding, avec un cap historique de 250 millions de dollars franchi exactement le 2 décembre et à l'issue de la semaine anniversaire et de l'expo. Et un compte de citoyens de Star Citizen, même s'ils sont loin d'être tous actifs, mais tout de même, de 2 488 000 personnes. En conclusion, vous avez pu voir les étapes qui ont mené où nous en sommes aujourd'hui et quel chemin parcouru. Est-ce que désormais les échéances seront maintenues? Pas toujours, mais au fond, que désirons-nous vraiment? Le chemin peut être aussi palpitant que la destination, voire plus. Le jeu sera en développement continu pendant des années, avec tout le renouvellement que cela implique. De plus, nous les backers, sommes au cœur de ce projet. Quelle excitation de suivre un tel développement, de participer, de voir évoluer les choses, de ne pas savoir tout ce qui est en préparation. C'est aussi pour cela qu'on aime Star Citizen, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Pour le plaisir qu'il nous procure de recevoir ces mises à jour périodiques et nouveaux contenus, voire des avancées parfois mineures, parfois majeures. Mais les embûches techniques et structurelles font partie de ce type de développement et de financement. Star Citizen a encore de nombreuses et belles années de développement. Alors oui, j'aimerais une bêta un jour, avoir une réelle persistance et faire enfin évoluer un personnage et un inventaire. Mais est-ce que je souhaite que Star Citizen arrête de se développer un jour? Clairement non. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, qui était la version longue, il y aura une intermédiaire et la version express en musique, ainsi qu'une version anglaise.
C'était Commander Fran. Si cette vidéo vous a plu ou juste appris au moins une seule chose, je vous remercie de commenter, de dire ce que vous avez appris ou aimé, et liker si c'est le cas et de partager cette vidéo qui devrait avoir pris l'essence du développement depuis l'origine jusque fin 2019 et cette version Alpha 3.8. Maintenant la suite.